Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui du riz lardon en ratatouille. Alors pour cette recette, j'ai 200 g d'allumettes de lardon nature. J'avais plus de vin blanc, donc je vais mettre 100 ml de rosé. Je vais mettre 100 g de riz. Un riz ici, donc saladier. Vous avez deux tomates coupées en morceaux, une aubergine coupée en morceaux, une courgette coupée en morceaux également. Et puis j'ai épépiné et coupé un poivron jaune. Ensuite, je mettrai 2 cuillères à café de concentré de tomate, 500 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté. Vous pouvez mettre bien sûr du sel et du poivre selon votre convenance. Moi je mettrai un petit peu d'ail semoule et de curry. Et bien c'est parti pour notre recette. On se met en mode manuel, en mode doré. Et ensuite je vais mettre mes lardons dans la cuve du cookie. J'ai maintenant ajouté tous mes légumes. Je vais verser mes 500 ml d'eau avec le cube de bouillon de bœuf émietté. Je vais rajouter mon verre de rosé. Si vous avez du blanc, vous mettez du blanc. Ensuite, on va mettre un petit peu de curry. On va mettre un petit peu d'ail semoule. Vous pouvez saler et poivrer selon votre convenance. Moi, je ferai ça au moment de déguster. Et puis là, je vais rajouter mes 100 g de riz. Je mélange. Voilà, il faut que mon riz soit recouvert. Et bien maintenant, on va programmer une cuisson sous pression ou cuisson rapide. Vous voyez, mon préchauffage n'est pas tout à fait terminé, mais c'est pas bien grave, on va arrêter la fonction dorée. On passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide, et là je programme le temps indiqué sur le paquet de riz divisé par 2. Là je vais mettre 5 minutes de cuisson. Je fais OK, avec un départ immédiat, je peux fermer mon plat. La cuisson est terminée, je vais ajouter mes 2 cuillères à café de concentré de tomate. Vous pouvez en mettre plus, hein, bien sûr. Vous pouvez saler, vous pouvez poivrer. Là, c'est le moment où chacun fait un petit peu à sa sauce. Voilà, je mélange. Et quand tout est bien mélangé, il ne me reste plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.